Hey, Jose, man, what's up? Yo, glad you can make it. No. You've gone farther than any kid I've ever coached. Of course I'm going to make it. Everything good? Yeah. Listen, we'd love to have you come by and, you know, visit the kids sometime. Hey, no problem. I'm going to do that, okay? We'll do. But I got to run right now. I'll talk to you later. I'll see you soon. All right. Sounds good. Okay, let's hear what Mr. Thomas has to say. Jeff? You had a tough time taking care of the ball tonight. Why? I don't like your face. I don't like your question. Don't talk anymore. Next. You there. Next question. Man, you really struggled shooting the ball tonight. Fill us in. Yeah, I know. I just really couldn't get anything going. It wasn't from a lack of trying, and it's not from a lack of practice. Yeah, I guess it was just one of those games where I was off. The best thing I can do is get back into practice tomorrow, get a lot of shots up, and try to get into a rhythm for the next game. Other than that, I don't know what to tell you. You? Yeah, first game as a starter. Feel good? Yeah, man, felt great. Yeah, even though you displaced one of your teammates from the starting lineup? It's a business, man. I'm just trying to handle mine, all right? Tell that to the other guy. Hey, man, the other guy's my brother, all right? I bleed for him, he bleeds for me. I think that answers the question. That's all the time we have, folks. J'ai vraiment une gueule de déterré. J'ai vraiment une sacrée gueule. Yo tout le monde, c'est pas fou, j'espère que vous bichez, parce qu'on se trouve pour un nouveau gameplay sur NBA 2K. Alors que vous avez pu remarquer quelques petites cinématiques. Alors déjà la première due à mon ancien coach, donc qui m'a demandé de revenir à mon ancien coach de lycée. Et ensuite, donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait carrément un match exécrable. Je l'avais enregistré, mais il était tellement pourrave ce match que j'ai décidé de ne pas le garder, parce que là c'était vraiment de la daube, du verbe dauber et de façon daubatoire. Hein, donc franchement, il n'y avait vraiment rien de pire. C'était contre Cleveland en plus, donc j'étais content, mais on s'est fait manger tout cru, je me suis fait manger tout cru. Donc je me suis dit, bon, je préfère quand même le garder pour le moins, parce que là, Flash Smith, c'était de la merde. Voilà, même si j'essaie de faire un accent un peu anti, un petit peu nul à chier, j'ai fait ce que je pouvais. Donc voilà. Donc les coquins, on se retrouve tout de suite pour un match contre les Charlotte Bobcats. Allez, à tout de suite les coquillous et bisous bisous. Et nous voilà les amis, on y est. On va jouer contre les Charlotte Hornets, anciennement les Bobcats, donc le club du monstre, du seigneur du basket qui est Michael Jordan. Et donc moi je vais essayer d'honorer quand même ma présence sur son parquet, d'honorer mon 5 de départ, parce que là on a quand même des dieux en face de nous, un dieu. Enfin pour moi c'est quand même le joueur, hein. C'est la bête, hein, le Jordan. Donc on va essayer vraiment de faire quelque chose de bien, de faire un gros match, sachant qu'en plus j'ai fait un gros match de merde, mais totalement nul lâché avant, parce que là, en plus, rappelez-vous, les coquinous, eh bien oui, regardez ça, vous avez vu? Vous avez vu? Eh bien, je pense que vous avez remarqué quand même. Eh bien oui, comme vous, si, voilà, ok, ta gueule pas fouille, hein, si vous ne vous le rappelez pas, donc l'ancien match, l'ancien gameplay, eh bien je suis passé titulaire. Et oui ma gueule, et oui les coquins, je suis titulaire. Ce qui veut dire que je suis dans le 5 de départ. Parce qu'être dans le 5 de départ, c'est-à-dire qu'on est titulaire. Et donc c'est juste magnifique. Oh ben d'accord, il m'a taxé mon rebond. Ok, super sympa mec, super sympa, je retiens. Tu es vraiment un enculé. Voilà, donc tu me donnes la bouboule. Bon allez, je le tire celui-là. Et voilà, le petit tir à 3 points. On commence bien, ma gueule. On commence vraiment beaucoup. Non, mais moi, bien, du verbe, bien tenté. Allez, on continue ce match, j'espère vraiment faire quelque chose de bien. Parce qu'au match d'avant, comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelque chose de totalement nul à chier. Je crois que j'avais jamais fait un match aussi pourrave de ma vie, on va dire. C'était la chauffe, voilà. On va dire que c'était la chauffe, même si j'espère quand même la garder pour vous. Et donc, je voulais profiter aussi les loulous, évidemment, pour vous parler d'un petit truc. Qui est tout simple, c'est que je voulais tout d'abord vous remercier. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre, à me soutenir. Et pour une petite chose aussi,
C'était très très simple. C'est que dans vos commentaires, vous êtes nombreux à me dire tu suces trop Coach Jordan, tu parles trop comme Coach Jordan. Mais comme j'avais dit, c'est... Rappelez-vous un ancien gameplay, je vous avais dit c'est une référence. Ce n'est pas la référence, ça c'est ce que j'avais dit, mais ce n'est pas la référence, hein, parce que vous avez bien été là pour me le préciser et pour me le dire. Et vraiment, je vous en remercie énormément. Mais c'est quand même un gars qui est quand même bien connu pour ses vidéos de 2K. Donc forcément, vous êtes très nombreux, vous, moi, fans de ce qu'il fait sur 2K, quoi, hein. Donc voilà. Et donc, vous êtes tous en train de dire que je ressemble beaucoup à lui, etc. Mais je tenais à préciser, bien que non, je ne fais exactement pas... Ça m'arrive quelquefois de s'en faire exprès, emprunter certains de ces mots, comme coquinou, comme papa de maman, ce genre de mots-là, mais... Dans ce cas-là, je m'en excuse, mais vraiment, je tiens à préciser que je suis totalement c'est moi-même, en fait. Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un, je ne sens pas être comme lui, en fait. Certes, il y en a beaucoup qui me disent qu'il faut se référer au plus grand, mais je ne cherche pas, moi. Je trouve que le mieux pour faire de belles vidéos, pour faire quelque chose de bien, déjà, c'est de rester soi-même, de faire ce qu'on aime, et vraiment, quand après, on a une communauté comme vous qui est totalement incroyable, Il suffit, voilà, on n'a rien à demander de plus, en fait. Donc, je tenais à vous le préciser, parce que c'est vraiment moi-même, et je tiens à vous mettre au défi d'aller voir des vieilles vidéos de moi, pas si vieilles que ça, parce que je suis un jeune YouTuber, hein, ça fait que 6 mois que j'ai posté ma première vidéo, mais je vous mets au défi, pour vous qui ne me connaissez pas encore énormément, allez regarder, et vous verrez, vraiment, c'est moi-même, je suis comme ça, je suis tout foufou à dire des blagues à la con, à dire des trucs un petit peu cochons, à dire des trucs vraiment un petit peu bizarres, tu vois, de façon bizarre à toi, tu vois, ce genre de choses-là, et de vous faire des bisous, des trucs comme ça, tu vois, mais voilà, c'était vraiment, je tenais à vous le préciser, vraiment pour vraiment, quoi, c'est ce genre de choses-là, quoi, hein, un coquin. Donc maintenant, coquin, tu vas venir, tu vas me demander pardon, et tu vas me faire un bisou sur la joue et sur la fesse, d'accord? Moi, j'ai l'habitude de vous en faire, alors pour une fois, c'est toi qui vas venir me le faire, donc tu bouges ton petit cucu, d'accord, ton petit huc, et tu vas venir me le faire, voilà, et maintenant, moi, je mets le panier, voilà. Tiens, prends ça dans ta tronche, voilà. Donc ouais, je tenais vraiment à vous le dire les coquins, c'était vraiment le petit point quoi, hein, on est au basket, c'est des points, c'est des paniers, donc voilà, c'est totalement nul à chier ce que je viens de dire, ça sert totalement à rien, c'est d'une débilicité incroyablement du verbe débiler, ce qui veut rien dire non plus, mais bon voilà, hein, c'est ce que je disais, c'est moi, hein, et vous ne pouvez pas me l'enlever, hein, c'est comme ça. Allez, hey, Roro, tu me donnes la bouboule s'il te plaît? Parce que la bouboule, ben, voilà quoi. Hein. Allez, on essaie de passer, on ne passe pas, je t'ai vu pâter. Voilà, tu la mets maintenant. Eh ben non, tu la mets pas. Donc étonnamment, mais ce que j'ai remarqué, donc désolé, je viens tout simplement de respirer, hein, parce qu'on en a besoin pour survivre. Et donc, j'ai remarqué, donc ce que je m'y attendais vraiment pas du tout, c'est qu'en fait, je suis passé dans le 5 de départ en tant qu'arrière, donc avec Kyle Lowry, qui est toujours titulaire et meneur de jeu. Mais... je suis remplacé et je ne pensais pas que c'était ça, je crois qu'il était blessé, mais à la place de DeMar DeRozan. Donc moi qui trouve que franchement, ce qui fait... Oh le panier, ça s'appelle pas de la chatte ça, hein, de façon chatoulette. Donc je pensais vraiment qu'il était blessé et que du coup ça m'avait aidé à passer sur le 5 de départ. Mais pas du tout, je l'ai vraiment remplacé. C'est vraiment lui du coup qui est sur le banc à ma place. Et je suis étonné quand même de ce choix de l'entraîneur. Moi j'aurais plutôt, comme je vous l'avais dit, mis Patterson sur le banc. Ou Amir Johnson. Sur le banc, j'aurais mis DeRozan à la place en grand ailier, en petit ailier. J'aurais mis un Terrence Ross en arrière moi-même, Yann Lowry en meneur de jeu. Parce que DeRozan, faut pas l'oublier, c'est quand même la star de l'équipe. C'est vrai que je comprends pas pourquoi il l'a mis sur le banc, parce que c'est quand même la star de l'équipe. Enfin, clairement, hein, pour moi, je trouve que c'est un joueur incroyable, DeRozan. C'est Dédé, hein. Ah, ben il est là, voilà, il vient d'être rentré. Je trouve vraiment que c'est un joueur incroyable, ce mec. Il mérite vraiment d'être sur le 5 de départ. Et je comprends vraiment pas le choix de l'entraîneur. Oh! D'accord! Ok, je ferme ma bouche. Donc, ouais, je comprends vraiment pas le choix de l'entraîneur de l'avoir mis sur le banc. Surtout qu'il y a un Amir Johnson qui est très bon, certes, mais qui n'est pas aussi bon. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ça venait de loin, j'adore! Merci, coach! Ça te fait le plaisir! Bisous sur la fesse, ma gueule! Même si j'avais trouvé que je faisais de la merde, tant pis. Donc voilà, Walou. Allez, je rentre sur Lance Stephenson, ancien joueur des Pacers, qui est l'ancienne équipe, enfin qui est l'équipe du bon et du Paul George qui est blessé malheureusement pour lui. Paix à son âme. On va essayer de faire quelque chose de bien, hein. Une petite attaque de haut panier. Non, ça marche pas. On remet derrière sur TT. Allez, Dédé. Allez, Valva. Tu donnes la bouboule. Voilà. Ça marche totalement pas, mais c'est pas grave. On essaie de passer quand même.
Je te la mets, papa. Tu me la remets. Voilà, tu m'as vu derrière. Moi, je tiens. Je lâche et je mets. Eh ben non. Allez, on continue, on défend comme on peut. Allez, on défend comme on peut. En mode computatoire, comme un computer, ce qu'on appelle aussi un ordinateur dans la vie française. Ce qui veut, voilà. Je vais vraiment finir par fermer ma bouche. Parce que là, ce que je dis est totalement incroyablement débile. Allez, allez Jefferson. Allez, JJ. Allez, JJ, tu perds le ballon, s'il te plaît, pour moi, pour nous tous. Allez, au rebond. Ok, ça sert à rien parce qu'il a mis panier. Bon, on est mené 16 à 22. J'essaie de me concentrer en mode concentré de tomate, parler un petit peu moins. Parce que vous êtes aussi beaucoup à me dire que je parle énormément, beaucoup, énormément, pour rien dire. Et parce que c'est vrai. C'est vrai. Allez, j'essaie de le mettre un peu en bourrique, ça passe. Et... Oh là 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 là. Oh le dating. Eh oui, avec contact, je t'ai sauté par-dessus, mon gars. T'as pu me bouffer la bistouflex. Et moi, j'ai mis le panier. Eh bien oui, c'était tellement bon quand ça se passe comme ça. Allez, je défends quand même sur Stephenson. Faut pas se laisser aller. Faut continuer de défendre comme on le peut. Allez, je pensais qu'il allait faire une petite passe. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Allez, kill quoi, douche. Allez. Je défends encore. Ah là là, il m'a mis dans le vent. Il m'a mis dans le vent. C'est pas grave, il a pas tiré. Mais lui, il l'a mis quand même. Il pisse tout le cul. Ah, il pisse les counesses. Allez, Jefferson. Tu finis ce que t'as commencé et tu dégages chez moi. Allez. C'était dans un film. Allez, si tu veux, tété. Allez, Roro. Tété, Roro. Je te fais un petit pic. Allez, ça sert absolument à rien. C'est pas grave. Valanciunas qui essaye de faire ce qu'il peut. Tu m'as vu, en fait non, je pensais que si, mais en fait non. Et lui, il met le panier. GG. Bah allez, on arrête de s'enflammer, quoi, hein, parce que sinon ça va devenir l'inflammation. Et les inflammations, après, il faut les inflammatoires parce que ça fait très mal. Et forcément, ça ne s'enflamme. Oh, ok, donc... Oh, dommage. Oh là là, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Boum. Eh ben non, ça fonctionne pas. Allez, tu m'as vu, Valençou. Allez, Valençou. La contre-attaque, mon gars. La contre-attaque, allez. Je m'en mêle dans les pinceaux, surtout dans les mots, en fait, parce que je m'en mêle les pinceaux. Voilà, allez, je t'ai vu. Allez, papa. Papa donne la bouboule à son fils. Allez. Allez. Parce que forcément, c'est toi qui as fait les enfants, hein. Donc voilà, hein, ça veut totalement rien dire et c'est totalement incompréhensible ce que je dis. Mais bon, tant pis. Allez, maintenant, okay, tu le mets et tu fais pas chier. Ok, d'accord. On va dire que je t'avais un petit peu emmené au charbon, quand même. Allez, on continue de défendre comme on peut. Pourquoi je défends sur Cody Zeller? Hein? Parce que c'est l'heure de dormir, hein, forcément. Allez, Volker, Texas Ranger. Voilà. Putain, quand je parle pas quand même, qu'est-ce que c'est calme? Vous me direz ce que vous avez pensé de ce moment, quand même, où j'ai rien dit pendant 30 secondes. Moi, je trouve plutôt que ce sont des gros blancs qui sont hyper désagréables. Mais vous en avez pensé quoi? Parce que franchement, ça fait bizarre de pas parler, hein? Tirer vite et souvent. Ok coach, ça marche, pas de soucis ma gueule. Moi franchement ça fait vraiment beaucoup énormément bizarre quand ça parle pas. Regardez, allez on recommence. Pendant maximum 5 secondes, allez. Alors c'est totalement débile ce que je dis, mais c'est totalement nul. Oh là 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 là. Allez, c'est la mi-temps, on est mené 28 à 23 chez à l'entre du Michael Jordan. Donc rien n'est fait, on peut encore largement se rattraper, le score est bas. Le score reflète un peu ce qui s'est passé. Et coach, les gars, concentre-nous et mettre-nous au travail. Voici quelques points que j'ai relevés au cours de cette première mi-temps. Dans la somme, on a bien géré cette première mi-temps. Les passes étaient nickel. On a perdu aucun ballon. On ne peut pas se le permettre. Ce serait trop dangereux. Au moins, on a gardé un équilibre correct d'un bout à l'autre du terrain. Il faut qu'on maintienne ça avec du mouvement constant en attaque et une bonne communication. En défense, oh là là, je sais pas parler. Bon, on va beaucoup parler de rythme. Et c'est pour une fois que je parie que ça va vous plaire. Je vous donne le feu vert. Jouez cette deuxième période aussi vite que vous voulez. Vous avez ma bénédiction. Parce qu'on ne devait pas être aussi serré, c'est nous la meilleure équipe. Tout le monde le sait, même eux. Alors retournez-y et montrez-leur. Ok, allez on y va. Allez moi je suis chaud patate. On y va, on va leur montrer ce qu'on sait faire. On va leur mettre plein de pistouflex dans les fesses, ce qui est totalement dégueulasse. Mais en tout cas on doit en faire 23-28. Comme le coach l'a dit, on était censé mener, parce qu'ils nous prennent carrément pour leur supérieur en fait. Donc faudrait peut-être qu'on rétablisse la hiérarchie et l'équilibre. Allez, je prends le rebond, en fait non. Bon ben c'est tant pis, c'est le coquille-pied qui l'a chopé. Donc au final mes stats sont totalement nuls à chier, mais bon c'est comme ça. Allez, tu me la files. Putain, j'ai un petit peu de mal quand même. Allez, je t'ai vu, tu es tout seul. Maintenant tu aurais pu tirer mais tu ne le fais pas parce que tu ne voulais pas. C'est pour ça que tu l'as pas fait. Allez, on continue. On essaie de faire un petit toupie blade.
En fait, non. Allez, caca. Mais là, voilà, la petite passe décisive. 26-28, allez, on revient, mon gars. On revient, les coquinous, on revient. Allez. On est en note de blé. 10 points. Un rebond, une passe décisive. À 80% de précision de tir. Donc, pour le moment, c'est pas un score forcément énorme. Parce que faut pas oublier que maintenant, je suis titulaire. Je dois faire quand même beaucoup plus que ça. Je dois quand même en faire beaucoup plus. Allez. 2. 1. On contre! Eh ben non. Allez, le rebond, ma gueule. Allez, tu m'as vu. En fait, non, tu m'as vu. Et en fait, encore non. Allez, je suis tout seul. J'aurais pu faire un petit tir à 3 points si ça t'avait plu, mais en fait, ça t'a pas plu. Voilà, maintenant, il y a quelqu'un sur moi et tout ne fonctionne plus. Allez, je t'ai vu à droite. On va essayer de faire un petit peu tourner. Le coach a demandé de jouer un peu plus vite. Voilà, ah, dommage. Bien joué le rebond. Bien joué le rebond. Putain, Valanciunas, franchement, il a géré la vite là. T'as géré, mon gars, hein? Tu es fort! Tu es fort comme moi, en fait. Allez, ça nous fait un point commun. Ah, j'arrive pas à réussir l'interception. Allez, on continue d'essayer. Ça ne fonctionne pas. Allez, JJ, on intercepte. Voilà. Bien joué. Tu m'as vu, mon gars. Tu m'as vu, mais pourquoi tu l'as pas mis? Pourquoi tu l'as pas mis? Ah, c'est dommage, c'est dommage. Allez, Kiki. Hey, Kiki. Voilà, merci. Allez, on fait tourner. Le coach a dit, il faut faire tourner. C'est ce qu'on fait. C'est ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, tu m'as vu. Je tire, je lâche et je marque, mon gars. Voilà. Ah, merde, c'est qu'un deux points. Je me suis fait baiser. Mais bon, voilà. Déjà, on voit qu'on rentre avec des nouvelles attentions. On avait une première mi-temps assez calme, que ce soit au niveau de moi, de ma parlement, de mon parlementatoire, et du reste, et surtout au niveau du score. Donc, on va essayer de faire quelque chose de mieux. J'essaye. Ah, ah, fait chier, il a réussi. C'est bon, ça ne fonctionne pas pour eux. Tu m'as vu à droite. Je vais essayer. Je suis tout seul. Allez, on tire. On lâche. Et on le met, mon gars. Ah, dommage. Dommage, j'ai pas fait un bon timing. Mais je devrais faire aussi, comme beaucoup me l'ont conseillé, pardon, de mettre les options pour voir mon timing, etc. Allez, on essaie d'intercepter. Petite prise à deux. Ça ne fonctionne pas. Allez, Kid. Allez, Kiki. Il y a deux Kiki, mais je préfère le mien quand même. Hein. Ou la mienne, plutôt. Allez, c'était pas rigolo du tout. Allez, Valanciunas, c'est toi le boss. Voilà. GG, mon gars. GG. Valanciunas, c'est un joueur de où, déjà, je ne sais plus. Je sais qu'on a joué contre eux, l'équipe de France, cet été. Mais je ne sais plus du tout quelle nationalité il a déjà. Ce n'est pas le Brésil, mais on a joué contre eux. C'est pas la Serbie. Valanciunas, c'est pas un Serbe. Allez, 30 à 29, c'est un score serré. Je pense, il faudrait vraiment que je pense à augmenter quand même le temps de jeu par match, parce qu'il y a quelque chose que j'aime énormément. Donc 2-1, ça vous fera des gameplays plus grands. Si ça vous tente, vous me direz dans les commentaires. Si ça vous tente ou pas, que j'augmente le temps des cartons, ça permettrait d'avoir déjà un gameplay plus gros. Et ensuite d'avoir des scores qui reflètent plus à la réalité. Parce qu'on a un jeu qui est carrément hyper réaliste et qui est vraiment hyper bien. Donc en plus, si on a les scores, ce serait vraiment super, comme moi j'aime le faire tout simplement. Allez, on défend alors que j'ai fait un petit tir forcé à la con. Allez, je défends sur toi, mon gars. Tu ne passeras pas. Si je pouvais intercepter, ça serait encore mieux. En fait, il est passé. J'essaye. Voilà. Une défense collective, ça c'est bon. Même si au final ça passe, c'est pas grave. C'est une défense collective. Allez, Lolo, Coco, Kiki. Oui, Lolo, Coco, Kiki. Allez, je sais, je parle pour rien dire. Allez, on continue. On met sur la gauche. Allez, papa, tu donnes la bouboule, s'il te plaît. Parce que le papa, il a des bouboules, ce qui fait des bébés. Allez, on essaye. On va essayer de faire un petit tir pour changer. Hop, on le met, s'il te plaît, mon gars. Dommage, t'as le rebond, tu le mets. Voilà, bien joué. Bien joué, même si là, je viens de baisser ma précision de tir. Si je pouvais essayer d'aller au moins aux 20-25 points, ça pourrait vraiment être pas mal. Et d'augmenter mon nombre de passes décisives. Faut pas oublier que je suis meneur de jeu. Je suis censé faire surtout de la passe décisive. Je suis le meneur, quoi. Donc, ce serait vraiment pas mal. Allez, allez, Kiki. Alors que je viens de recevoir un texto. Merci à toi, l'ami. Allez. Tout le monde s'en fout, je sais. Ah la queue, le... On essaie d'aller au rebond. Allez, au rebond! Bonne défense collective, mon gars. Voilà, je t'ai vu à gauche, je t'ai vu, tu le mets maintenant. Et voilà, la petite passe décisive. Ça, c'est bon. Ça, c'est totalement ce que j'aime. 11-3, mon gars. Et oui, on revient avec des nouvelles attentions pour vous jouer à un mauvais tour. Allez, on continue. On est contre les Charlotte, qui est une équipe quand même qui, je pense, qui peut créer la surprise cette année. Ils ont quand même une bonne équipe. Donc, franchement, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose de bien. Et ils ont quand même le meilleur joueur du monde, qui est leur président. Et allez, le rebond. Eh ben non. Que 34-33, on a toujours un score qui est hyper, hyper serré. Mais on va les niquer, mon gars. Oula, par contre, je viens de me prendre l'arbitre. Désolé, mec. L'arbitre ou l'arbitre. C'était pas marrant. Allez, 12 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception. Qu'est-ce qui se passe? Bon mouvement du ballon. Merci, coach. Ça fait le plaisir. Tout le plaisir est pour moi, hein. Eh bien, oui.
Voyons ce que tu vaux. C'est parti. J'adore, je suis en train de taper sur DeRozan. Je lui dis merci alors que c'est lui qui est sur le banc à ma place maintenant. Ça fait vraiment quand même qu'on s'encule, il faut l'avouer. Ça c'est vraiment un gros bâtard. Allez, on continue. Allez Williams. Allez Jojo. Allez, mais moi je veux rentrer, coach. Allez Sef, s'il te plaît. C'est pas fait exprès, Sef. Putain, genre, pendant qu'ils m'ont sorti, on s'est fait remonter le score. Donc on les menait 41 à 40 maintenant. Il va falloir remonter. Ce qui risque, entre autres, d'être un petit peu plus compliqué. Allez, on continue, mon ami. On va jouer. Parce qu'on est là pour jouer, on est là pour s'amuser. Mais on est là pour gagner. Allez, ah, dommage. Là, j'aime pas parler comme ça en mode gros Saint-Telo, ça me va tellement pas. Ça me va vraiment pas. Allez, 44 à 40, les gars, faut qu'on se bouge le huc. Pafouille, il est là. Il a plein de bistouflex à vous mettre dans les fesses, même si j'en ai qu'une. Heureusement, je suis un homme totalement normal. Allez, on essaye de le mener. On fait voilà. Allez, je t'ai vu. Voilà, ça c'est beau. Et tu le mets, mon gars. Oh, dommage. C'est vraiment dommage. J'avais fait quelque chose de totalement très très beau. C'était vraiment beau et sympathique. Donc, c'est vraiment dommage. Allez, on continue. On défend comme on peut. Allez, Stephenson, tu bougeras pas, mon petit coco. Je veux pas que tu bouges, même si tu vas y arriver. Ah, dommage. Allez, on continue. Faut pas que je laisse tirer. Faut pas que je laisse tirer. Et oh, les gars, voilà, bien joué, les gars. Bien joué. Voilà, tu m'as vu. On fait la petite contre-attaque. Faudrait que j'ai des contre-attaques un petit peu plus importantes. Un petit peu plus rapides, en fait. Et un petit tir à 3 points un peu plus important. Parce que là, franchement, ce que je viens de faire est totalement nul. Allez, on défend encore. Faut qu'on essaie de revenir. Ce serait bien qu'on gagne. Allez, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah bah au final je l'ai fait. Il loupe le... Oh, belle défense. Oh, belle défense. C'est de la chatte ça, mon gars, c'est de la chatte. Allez, je t'ai vu à droite, Amir. Allez, le petit écran maintenant. Voilà, comme ça, parfait ça. Allez, je t'ai vu, tu le mets maintenant. Voilà, la petite passe décisive. Merci beaucoup, l'ami, ça fait très beaucoup, énormément le plaisir. Allez, 12 points, 2 rebonds, 3 passes décisives. Allez, c'est parti. Allez. Oh là là là, j'aime pas quand je fais ça. J'aime absolument pas. J'essaye. Ah, laisse l'adversaire marquer. Ça fait chier. 46-42. On a 3 minutes 20 encore pour revenir au score, pour faire quelque chose de bien. Franchement, faut que je m'applique. Mais le score est totalement... J'aime pas ce style de score. J'aime pas du tout ce style de score. Allez, je le tiens. On le met, voilà. Allez, le petit... Oh merde, c'est qu'un tir à 2 points. Je me fais baiser, les gars. Allez, faut que je m'achète une paire d'optiques 2000, là, parce que mon gars, j'ai du mal à voir la ligne de 3 points, là, où je suis bête, je suis trop du bête, mais je suis con. Allez. Il va me faire un écran, il va se foirer. D'accord, c'est mon propre coéquipier qui m'a fait chier. Ok, d'accord. T'aurais dû lui foutre une tarte, ça aurait été plus vite, mon gars. Allez, encore 2 minutes 40 pour revenir, les gars. Je compte sur vous, je compte sur moi, on compte sur moi, on compte tous ensemble les uns et les autres. Allez, le petit pic, le petit roll surtout, qui est totalement foiré parce que je me suis totalement foiré. Voilà. Allez, on le met celui-là. Non ! Oh là là, j'ai pas de réussite. Je n'ai pas de réussite, mon cher. Allez, on continue de défendre comme on peut. Faut pas qu'il les mette, mon gars, sinon on est dans la 2. Voilà, le rebond Valenciennes, c'est bien. Allez, au contre-attaque, de façon contre-accatoire. Allez, je t'ai vu, Amir, tu continues, tu m'as vu. Voilà, allez, je passe, pas du tout. Fais chier. Allez, je t'ai vu. Allez, bon, celui-là, je le tente. Voilà. Non, mais mon gars, comment tu fais pour louper un tir aussi facile? Comment tu fais? Oh là là, 46% de précision de tir. 46%. On essaie d'intercepter, ça fonctionne pas. Allez, c'est pas grave, on continue. Ça pue la défaite, clairement. Allez, on essaie la petite prise à 2. Ça marche pas, il tire, il va le mettre. Voilà. Ah, fait chier. On va perdre ce match. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On aurait pu faire quelque chose de mieux. Le coach, en plus, il croyait en nous. Et, oh là là, c'est dommage. Il faudra enchaîner les tirs à 3 points. Mais avec la précision que je n'ai absolument pas, je pense que ça risque d'être compliqué. Ça risque vraiment d'être beaucoup, beaucoup, énormément, énormément compliqué. Tu m'as vu, je le tente. On le met celui-là, s'il te plaît. Mais non, je fais un bon timing en plus. Oh là là. On n'a pas de réussite. On n'a absolument pas de réussite à ce match. On l'avait au premier quart-temps et au deuxième. Mais là, on n'en a plus. On n'en a plus. Allez, j'essaye de contrer. Voilà. Merci, Roro. Merci, Tété. Merci, Tété, Roro. Allez. Bon, lui, il va les mettre, forcément. Ah non. Eh ben oui, tout le plaisir est pour moi, mon cher. Bon, 44 à 51, ça pue la défaite. Autant être honnête, les loulous. Mais la défaite, elle pue. Ça fait chier, les zigounettes. Mais bon, c'est comme ça. Allez,
Tu donnes la bouboule, voilà. Allez, on passe. On passe. Je t'ai vu, Valanciunas. Je t'ai vu. Même si t'as pas fait du tout ce que je souhaitais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'étais censé tirer, mon gars. Oh, allez, on passe. Voilà, je t'ai vu. Et tu l'as mis. Bravo, mon gars. Bravo, mon gars. Oula, je n'ai plus de batterie. Ah là 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 là. Un peu comme mon genre, en fait. Hein, mon genre. La manette te reflète un petit peu avec toi, mon gars. Hein. Allez. On défend. Les gars, faut défendre mieux que ça. Faut défendre mieux que ça. Non. Ah là 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 là. Fin de match qu'on fait totalement nul à chier, là. Le quatrième carton qui est pas du tout comme je l'aurais souhaité. Comme personne, forcément, de notre équipe l'aurait souhaité. T'aurais dû me voir. T'aurais dû me voir, Coco. Ah, bien joué. Bien joué, Valençou. 40 secondes, 6 points de retard. C'est baisé. C'est baisé, mon cher. Sauf si Loulou, pour l'enchaîne de tir à 3 points. Mais dans ce cas, il nous faudrait une shot monumentale. Parce qu'on est qu'à 43% de précision. Allez, on va faire une défense. Plutôt pas mal, j'espère. Allez, il va la mettre. Ah, Patterson. Voilà, on l'amène sur les points. C'est Walker, je pense qu'il va en louper une déjà. Vous pouvez louper la troisième, ce serait pas mal que je me mette sous la ligne de 3 points. Voilà. Oh, fait chier. Ah, ah, c'est frustrant. Oh là 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 là. 27, bon, je vais tenter le tout pour le tout. Allez, je me mets derrière. On tente, on le met s'il te plaît. Oh là là. Oh. Là, le timing était mauvais en même temps, le timing était mauvais. Et bien voilà, c'est la fin du match. On a perdu 48 à 55, donc je vous rappelle hein, la question que je vous ai demandé, les coquins, qui est de savoir si ça vous plairait de faire des matchs à 12 minutes le quart-temps pour avoir vraiment des scores plutôt pas mal et aussi des statistiques qui correspondraient forcément à notre niveau. Donc on a fait une prestation acceptable, 54 avec un total de 639 points obtenus. Donc voilà, c'était un match un peu bidon. C'était pas un match c'est pas un match qui restera dans les annales, ça c'est clair. Mais en tout cas, en parlant d'annales, on en a pris plein le cul. Ça c'est clair, on en a pris plein le cul. On a pu faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, ma gueule. Tunnel de la salle après le match. Yo, what's going on tonight? I'm running free all over the court and you didn't give me the ride. C'est vrai ça? What are you talking about? I'm talking about making sure I get my touches, yo. Move the basketball, share with your teammates. Make the extra pass so we can get the easy look. Ah merde. C'est ma faute. You might be right, man. I probably did have a little tunnel vision. Ouais, je voulais absolument, en fait, ce que je souhaitais faire, c'était vraiment bouger les choses et prendre le match à mon compte. Sauf que le problème, faut pas que j'oublie que mon joueur a une note générale comme basse. Et forcément, au niveau des tirs, etc., je me surestime un petit peu, je pense. Nouvelle amélioration débloquée. Félicitations, amélioration débloquée. Vos efforts ont fini par payer à l'aumônie des attributs et passer à l'étape suivante pour créer un mon joueur unique. Super. Nouvelle insigne. Alors, vous avez obtenu l'insigne joueur de légende pour avoir montré que vous faites absolument tout pour remporter les matchs. Ok. Ensuite. Ah, super, très bien, ma gueule. Allez, 25%, on va voir s'il y a une nouvelle petite cinématique, on se quittera là-dessus, les loulous. Même si on a fait un match totalement nul à chier, je suis pas forcément très satisfait de ce match, je suis pas satisfait de ce petit gameplay, vous m'en direz des nouvelles quoi, parce que le score n'était vraiment pas terrible. Le score, il n'y a rien à dire, n'était pas terrible. Alors on va voir ce système donc de points là, d'amélioration d'attributs. Alors, améliorer les insignes, donc ouais, je peux améliorer tout, ok. Et puis c'est tout en fait. Et puis c'est tout. Allez, les coquinous, c'est la fin du gameplay. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces petits likes. Vous êtes tellement beaucoup, énormément nombreux à les mettre. Ça fait vraiment beaucoup, énormément le plaisir. Alors je vous fais de gros bisous sur les FFS. N'hésitez pas vraiment à répondre à la question que je vous ai posée. Et puis n'hésitez pas à liker, évidemment, ou même à t'abonner, ou même à faire les deux, quoi. Allez, gros bisous sur les FFS. C'était Paf Paf, qui fait un match tellement bidon. Allez, bisous. Peace.